Donc on est mardi matin de bonne heure. Donc juste un petit point, histoire de faire un avant-après avant que les maçons attaquent. Donc le premier travail qu'ils vont faire, ça va être de décaler cette porte vers la droite, qui est la porte de mon refend. Le petit souci que j'ai, c'est pour, comme avec l'isolation, après j'aurai plus assez de hauteur. Le seul petit souci qu'il y a sur cette porte-là, c'est pour ça que je vais faire par les maçons, c'est que j'ai un conduit de cheminée. Là, c'est à peu près au niveau du balai. Donc lorsqu'ils vont tomber le côté droit de la porte, on va tomber dans le conduit de cheminée. Donc ils vont essayer de la décaler le plus possible. Comme ça me permettra de déterminer où est-ce que je mets la cloison de mon couloir à ce niveau-là. Donc je vous retrouve une fois qu'ils auront avancé. Je ne sais pas si je pourrais filmer pendant qu'ils travaillent. Mais avant ça, on va avoir un gros chantier de déménagement. Parce que je vais profiter que j'ai de la main-d'œuvre. C'est des maçons en plus, ils savent porter des pierres. Pour évacuer toutes ces pierres-là. Également toutes ces pierres-là. Et dans l'idéal, après, à ce niveau-là, on va couper, mettre un polyane. Comme ça, ce sera leur chambre pendant qu'ils seront là, en plus de les protéger le reste de la poussière. Bon, on est toujours mardi, début d'après-midi. Donc le premier pilier est tombé, le linteau est retiré. Là, on n'est pas encore dans la cheminée. Donc c'était pas prévu, mais comme ils vont avoir besoin très rapidement des linteaux et que ceux que j'ai achetés, j'ai pas encore été les chercher. Et en plus c'est des gros, c'est des 20-20, là il n'y a pas besoin. J'ai fouillé dans l'hangar et j'ai récupéré ces deux anciens linteaux en chêne que je m'empresse de préparer parce que les maçons vont en avoir besoin. Donc pour préparer, arrache-clous pour enlever les effets en pointe. Chasse-goupille, je ne l'ai pas mis là, mais qui me permet d'enfoncer les pointes qui sont cassées dedans. Brosse pour voir l'état de surface. Et au rabot. Donc il fait beau, donc je me suis installé à l'extérieur. Allez, j'en ai deux à faire, même j'ai aussi ceux du milieu, donc il faut que je me dépêche. Bon, deuxième jour de travaux, petit matin, là où on en est. Donc il y a toute jambage gauche qui a été remontée. La porte a été décalée de manière à tenir compte de l'épaisseur d'isolation qui sera sous rampant. Et bon, j'ai un problème parce que j'avais demandé au maçon de me décaler la porte, mais je lui avais pas dit qu'il fallait qu'elle garde la même largeur. Non, pour ma part, il s'attaque à l'autre de l'autre aujourd'hui. Donc du coup, c'est pour ça que je suis à la bourre pour la préparation des linteaux au-dessus, parce que ça va plus vite que prévu. Mercredi 11h. Donc le trou pour l'agrandissement de la porte a été fait, pour le jambage. Donc on n'ira pas plus loin, pour la simple et bonne raison que là, on tombe dans le conduit. Le conduit est là, on le voit. Et on repose sur ces pierres-là en bas. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remonter le jambage et ils couperont ces pierres-là à la fin. Donc c'est parfait. Ça fera une porte de 85 finie. Et pendant ce temps-là, moi, je continue les linteaux. Donc, mercredi après-midi, je suis toujours sur mes linteaux. Donc, une fois rabotés, je vous présente une face visible. Ils sont vraiment nickel. J'adore la couleur du chêne. Le problème que j'avais, c'est que comme mon mur fait 60 d'épais, les linteaux font 12-12. J'avais besoin de combler en 40 au milieu. Donc, le linteau qui s'appelle au milieu entre les deux linteaux extérieurs, ça s'appelle le palâtre. Donc j'ai cherché avec des chutes de chêne, planches, etc. Mais vu la qualité de la maçonnerie, je voulais faire ça quelque vraiment nickel. Donc la première solution, je vais vous la montrer, c'était de refendre ces linteaux-là que j'ai récupérés sur le bon coin, qui font 2,70 en 40-40. Du moins en 20-20, autant pour moi. Mais je trouvais ça dommage. Donc on est passé au plan B.
Le plan B, c'est une traverse paysagère achetée neuve pour une cinquantaine d'euros. Donc de 2,60 m, vu que mes linteaux font 130, c'est parfait, j'en ai besoin que d'une seule. C'est du 20-12, je crois. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Et là, ce que je suis en train de faire avec la scie, je suis en train de passer un coup de scie entre mes deux linteaux, mes deux palâtres, de manière à être sûr, après quand je vais serrer, comme le trait de scie est passé entre les deux, ils vont être bien collés. Ce qui est utile parce qu'il n'est pas sec celui-là. Je suis à 35% d'humidité, donc il va se rétracter un peu. Donc autant que ce soit propre. Mais bon, ça c'est sûr, ça va pas tomber hein, maintenant. Donc je continue ça. Après, je présente les deux linteaux, je mets à longueur. Pareil, un petit coup de scie en ragasse pour que ça plaque bien. Et comme ça, le maçon pourra monter ça dès demain. Si, un dernier point, le maçon, quand il m'a vu couper ça avec la zague, il m'a pris pour un fou. Mais cet état de surface-là, sur le bout, qui est important pour éviter que l'eau rentre dedans, je ne l'aurais pas eu avec un outil mécanique, ou alors j'aurais été obligé de raboter derrière, ce qui est en bois de boue et pas forcément top. Bon, ben, comme la nuit va pas tarder à tomber, je vais en profiter, je vais arrêter le rabotage et la ragasse et je vais mettre à longueur tous mes bouts de bois. Ça fera moins lourd à déplacer. Bon, la mise à niveau a été faite. Comme il fait pas encore complètement nuit, j'en profite pour donner un petit coup de scie. Donc la ragasse dans les grosses sections, hein, c'est sportif. Comme ici, où on était bien d'équerre, il n'y avait pas de soucis, c'était le même bastin. L'astuce, c'est de donner un coup de rabot au milieu. Comme ça, on ragasse que sur les côtés. Et ça permet de bien être à fleur. Par contre, là, je peux pas parce que c'est un problème de déséquerrage. J'en ai une qui est bien et l'autre qui est légèrement ouverte. Donc là, ben, c'est du bourrin. Ça réchauffe bien. Ça tombe bien, les températures commencent à diminuer. Il fait moins 4 cette nuit dans la prairie. Donc on finit ce coup de scie et après on range tout. Jeudi matin, début du troisième jour de chantier des maçons. Donc le jambage le long de la cheminée a commencé à être remonté. Hein. Journée assez tendue hier parce qu'on est vraiment au ras du conduit de cheminée. Donc fallait pas les embêter. Donc là, ils vont le remonter. Et après, ben, on a les linteaux qui viendront se poser dessus. Donc globalement, ça fera une entrée de 84-83 sur un bon 2 mètres de hauteur. Bon, il n'y a pas besoin de plus, hein, parce que de toute façon, on ne va pas passer de fauteuil roulant à l'étage. Donc, c'est propre. C'est bien croisé. Super content du boulot. Côté-là, ils ont ouvert plus que prévu parce qu'à l'origine, on voulait juste faire tomber quelques pierres pour rechaîner. Mais comme toute la partie là bougeait, ils l'ont défait. Bon, l'avantage de cette ouverture, c'est comme il n'y avait pas beaucoup de pierres au-dessus, vu qu'on est sur le rampant, ça a permis de tout écrouler. De l'autre côté, pour l'ouverture de la cuisine, ça ne sera pas la même chose parce que là, il y a plus de pierres au-dessus, donc ça va être un peu plus tendu. Et le plus tendu à la fin, ce sera la cheminée qui est dessous. Donc là, moi, je vais juste fignoler, faire mes chanfreins sur les linteaux. Et après, je vais profiter que les maçons soient là pour préparer ici. Donc là, sous la terre, j'ai mes sablières. Et donc, faut refaire toute l'essentialité. Donc, je vais commencer à préparer ça. Quand je vous disais qu'ils étaient dans le conduit de la cheminée, il est là, quoi. Je sais pas si vous le verrez bien en vidéo. Donc, il fallait vraiment pas ouvrir plus, hein. Donc là, j'ai ressorti le stabilisateur parce que j'ai visionné mes premiers rushs. Merci d'en être là de la vidéo parce que ça devait donner le mal de mer. Donc voilà.
Donc jeudi après-midi, mon linteau est prêt, donc là c'est sûr, ça risque pas de tomber. Donc le chêne polonais, c'est du chêne vert, des traverses paysagères. Pas facile à travailler, à raboter, mais de toute façon, comme ça, c'est la face qui sera la face dessous, au-dessus de l'entrée, donc la face visible. Avec, le tanin va ressortir, donc il va s'assombrir. Donc on a tout bien fait, on a tout bien chanfreiné, y compris entre, parce que si jamais il y a un décalage, ça évite d'avoir une arête qui prend. Donc là, ce sera une première phase visible, hein. Vraiment impeccable. Et la deuxième sera là. Donc c'est purement artistique parce qu'il n'y aura presque pas de poids au-dessus. Mais bon, comme le mur en pierre me plaît, je voulais un beau complément que ça fasse propre. Ben il était temps de finir parce qu'il commence à crachoter. J'en ai profité pour récupérer un bac de copeaux. J'avais plus de quoi allumer le feu, c'est parfait. Les maçons sont absentés cet après-midi, donc ça sera posé demain matin, je pense. Demain fin de matinée, il devrait être en place. Pendant que les maçons sont pas là, on va en profiter pour présenter l'organisation. Donc là, le tas de sable, la bétonnière. Derrière, on a remis une bâche. C'est les cailloux qui les intéressent pas, qui passent par la fenêtre directement. Et là, hier matin, on a bricolé un tamis avec du grillage à poule et un cadre que j'avais. Donc on balance toute la terre ici. Le but, c'est que le plus gros de la terre fine passe derrière. Pourquoi? Parce que cette terre-là, on en mélange au mortier de chaux. De manière à teinter un peu la chaux et ça fait que du bien. Donc voilà. Donc ça y est, les linteaux sont livrés aux maçons de manière à ce qu'ils puissent les monter demain. C'est tout drôle de faire des livraisons chez soi. Donc comme là, j'ai des impératifs. Après, aujourd'hui on a arrêté, on a tout rangé. Et là on va monter pour voir ce qu'ils ont fait ce matin de plus en 3 heures. Donc par rapport à ce matin, le conduit est rebouché là. Là c'est des pierres noires, hein, c'est pas des pierres plates noires, c'est pas du bois. On a l'assise de linteau ici qui est à... Parce que le sol descend de... Par rapport à l'autre côté, on descend d'une hauteur de solive. Donc ça fera 20 cm en dessous grosso modo. Donc je suis à un bon 2 mètres de hauteur de porte. Donc toujours aussi propre comme travail, bien chaîné et tout. Et demain matin, demain en tout cas, avant le week-end, j'espère vous montrer la porte finie. Oui, c'est bien ça, je viens de vérifier, il manque encore... Je pense qu'ils veulent mettre une grande pierre plate ici pour chaîner. Donc parce qu'il manque encore 7 bons centimètres avant de poser le linteau de ce côté là. Donc pour le plaisir, je vous remets ce côté là qui sera le bout du couloir. Il n'y a rien à dire, c'est du bon boulot à la hauteur de mes attentes, parce que quand je parle du maçon en définitive, c'est plus qu'un maçon, c'est un compagnon tailleur de pierre. Mais de toute façon, les tailleurs de pierre, ils ont la réputation de faire les meilleurs maçons et je pense que c'est pas usurpé. Bon, vendredi matin, les linteaux sont en place. J'ai dû recouper encore parce que le client est roi, même si là je suis le client du client. Parce qu'en définitive, ici on avait une pierre, il ne voulait pas y toucher. Donc en longueur, on pouvait passer. J'essaie de vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez, sous cette pierre-là. Donc j'ai dû faire une coupe en sifflet
pour passer au ras de la charpente. Je vais essayer de le montrer, mais je suis pas sûr qu'on arrive à la voir. Si, on les voit bien. En définitive, tous les linteaux, ils ont une coupe en sifflet de manière à laisser un vide à peu près l'épaisseur d'un chevron entre les voliges. Donc, un peu de suée encore, mais un peu d'entraînement. Parce qu'à la ZAC, tout ça. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, bon, sceller tout ça, était, et après, il n'y a plus qu'à recombler au-dessus. Donc, quand je disais que j'avais coupé les bouts, les voilà. Donc, ça fait des beaux sifflets à la zague. Hein. Donc, vendredi 17h, fin de semaine. Donc, il n'y aura plus que les joints à faire, mais globalement, l'ouverture est remontée. Donc, il n'y avait plus grand-chose à monter au-dessus des linteaux. Comme ici, rien ne se perd, j'ai coffré à la rase des sablières. Et du coup, ce qu'on a mis dedans, c'est le reste de baissonnière de chaux. Donc, je continuerai de travée en travée, de manière à tout faire. Samedi matin, samedi midi même. Je vais en rester là pour cette vidéo, parce qu'au vu des premiers rushs, après ça va faire une vidéo trop longue, hein, j'ai largement passé les 20 minutes. Donc juste pour vous montrer, là j'ai un des premiers linteaux qui était dans le terrain, en définitive c'est pas un linteau, c'est un habit de fenêtre, hein, on voit bien les découpes. Donc le maçon l'a ramené, parce que pour l'ouverture d'en bas, ça sera linteau granit, hein, comme on peut les récupérer. Juste pour la petite histoire. Le maçon a été chercher le linteau tout seul, avec la boîte trouvée sur le terrain. Et je vous laisse regarder l'état de la roue. A priori, le granit, c'est vraiment lourd. Hein. Donc les maçons reviennent que mardi matin, pour s'attaquer à cette ouverture, où au-dessus, à l'étage, j'avais déjà montré, il y a un sacré château de cartes, et il y a ce côté-là de la porte, là, ce jambage-là, qui leur plaît pas du tout, donc y a de fortes chances que tout tombe. Moi, de mon côté, le week-end, la semaine n'est pas finie, parce que j'en profite pour rentrer du bois. En chêne sec, il me restait que ça. Derrière, c'est un mélange de châtaignier qui est pas complètement sec, donc j'évite de le brûler. Certes, il me restait tout ça aussi, mais c'est tellement bien empilé, je me suis dit, je vais rechercher une corde. Parce que ça, c'est que du bois de 45 max de long, donc qui pourra rentrer à la fois dans la cuisinière, dans les deux moyens de chauffage. Donc je suis toujours dans le chêne. Donc là, il y a une demi-corde de chargée. C'est des sacrés arbres fendus, hein. Au vu des cernes, j'en ai certains qui devait avoisiner les 100 ans, ça fait chier de le brûler, mais bon. C'est comme ça. Donc là, avec les enfants, le boulot aujourd'hui, c'est... On trie grâce à l'équerre en longueur, on sépare ce qui fait moins de 45 avec l'équerre, qu'on commence à empiler, et le reste qu'on empile ailleurs et qui sera découpé pour brûler. Bon, fin de ce journal de bord, une semaine de début des travaux, ça a fait du bien. Enfin, ça commence. Je filme pas les maçons pendant qu'ils sont en train de monter, je leur ai pas donné l'accord. Déjà, le fait de savoir que leur travail va être partagé, ça leur rajoute une certaine pression, donc on va y aller mollo, parce qu'il y a un amour du travail bien fait, c'est clair. Moi, ça m'a fait plaisir de retoucher un peu du bois en m'attaquant au linteau. En plus, j'ai pu m'installer dehors et tout le temps le permettait. Donc c'était bien agréable.
Donc, au programme de la semaine prochaine, mais je vous le détaillerai mieux lundi, c'est l'ouverture, la réouverture, l'élévation et peut-être l'agrandissement de cette porte-là. Donc, les maçons commencent du plus simple au plus compliqué, m'ont dit. Donc, quand je vois les moments de tension qu'il y avait quand ils ont ouvert là-haut à côté du conduit de cheminée, j'imagine pas ce qui les attend ici, parce que là, ils pourront pas écrouler au-dessus, hein, ils vont être obligés d'étayer et tout. Et ils finiront par la cheminée. La cheminée, je lui ai dit de se faire plaisir au tailleur de pierre, je sais pas à quoi m'attendre, mais déjà, les corbelés font 130 de long sur 40 de haut. Sur 20 de large en granit, alors j'imagine même pas ce que va donner la... ce que va donner le linteau au niveau de la cheminée. Mais bon, la semaine prochaine est une autre semaine, donc je vous expliquerai tout ça, et de manière à pas faire une vidéo trop longue, on va en arrêter là. Allez!